J'en arrive aujourd'hui à un des aspects fondamentaux de l'univers dans lequel on vit. On est dans un univers qui est en train de s'expandre, un univers en expansion. Et ça conditionne un grand nombre de choses en cosmologie, ça conditionne ce qui s'y passe. Et donc je vais commencer par décrire cette expansion. Je vais partir pour ça des observations. Quand on observe des objets lointains dans l'univers et qu'on fait notamment leur spectre, qu'on regarde comment est-ce qu'est distribuée spectralement la lumière qui nous en parvient, on s'aperçoit que les objets lointains nous apparaissent avec un spectre qui est décalé vers le rouge. Les raies spectrales sont plus rouges dans la lumière qu'on voit de ces objets que pour les mêmes éléments, mais vus sur Terre. On parle de décalage vers le rouge. Ce décalage vers le rouge, il se trouve qu'on observe aussi qu'il est d'autant plus important que les objets sont lointains. On a une corrélation forte entre décalage vers le rouge et distance qui nous sépare des objets. Ça, c'est le fait fondamental qui va être interprété en cosmologie comme le fait que l'univers s'expand. Mais avant d'en arriver là, je vais faire un tout petit passage donc par l'aspect historique des choses en vous parlant d'effet Doppler. Parce qu'une manière, disons, d'interpréter ce que je viens de dire, c'est de se dire, bah, si on voit de la lumière qui est décalée vers le rouge, c'est parce que les objets sont en train de s'éloigner de nous. Effectivement, l'effet Doppler, c'est un des phénomènes qui permet d'expliquer un décalage vers le rouge. Donc on pourrait se dire, bah, on est dans un univers dans lequel les objets qui nous entourent s'éloignent de nous. Ça explique le décalage vers le rouge, et s'éloignent de nous d'autant plus qu'ils sont loin. Je reviendrai sur cette interprétation tout à l'heure, mais tout ça pour dire que du coup, il faut que je vous parle un petit peu d'effet Doppler. Je vais faire un tout petit rappel sur l'effet Doppler. En relativité restreinte, on peut montrer que si on a un observateur ici et une source lumineuse là, et que on a de la lumière qui est émise par B et qui arrive en A, on peut montrer que la fréquence émise sur la fréquence reçue, pour moi les nu, ça va être les fréquences tout le long, est donnée par 1 plus V sur C divisé par 1 moins V sur C avec une racine carrée, où V décrit la vitesse radiale relative entre A et B. Vitesse radiale relative. Alors, je peux commencer par tracer ce rapport ici en fonction de V. Donc, ce que je vais tracer ici, c'est nu E sur nu R. On voit qu'il y a une asymptote quand V tend vers C. Donc, je vais mettre ici C. Quand V est égal à 0, ce rapport vaut 1. Oui, il n'y a pas d'effet Doppler dans ce cas-là. Et on a quelque chose qui fait comme ça et qui augmente de plus en plus avec une asymptote verticale. Et au voisinage de 0, ici, quand les vitesses sont petites, un développement limité montre rapidement que le numérateur, ici, ça fait 1 plus 1,5 de V sur C. Le dénominateur fait aussi 1 plus 1,5 de V sur C. Quand on les multiplie, on se retrouve avec ça fait à peu près 1 plus V sur C. Donc on a 1 plus, ici c'est 1, plus quelque chose qui augmente linéairement avec la vitesse quand les vitesses sont faibles. On introduit aussi une quantité qu'on appelle décalage vers le rouge, une quantité qu'on note Z, et qui est définie de la manière suivante. Le nu émis qui est ici, là, je peux le noter comme nu reçu plus delta nu. Donc nu, c'est l'écart de fréquence entre les deux, entre la fréquence émise et la fréquence reçue. Et du coup, si je fais ça s'écrit 1 plus delta nu sur nu R. Et du coup, ce truc-là, c'est ce décalage relatif ici qu'on appelle Z. Et ça, on écrit 1 plus Z. Donc nu E sur nu R, c'est égal à 1 plus Z. Ça, c'est une définition, il n'y a vraiment rien à comprendre. C'est le décalage, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, Z. En anglais, le redshift. Je vais parfois l'appeler redshift probablement, mais je vais essayer de dire comme décalage vers le rouge. Voilà, il est défini de cette manière-là. Et donc pour les valeurs de la vitesse qui sont faibles devant la vitesse de la lumière, quand V sur C est petit, ça tend vers ça. Et donc on a Z qui est à peu près égal à V sur C. Ou encore V est égal à CZ. Donc ça, c'est pour des vitesses qui sont petites devant la vitesse de la lumière. Pour donner un ordre de grandeur, les premières
galaxie pour laquelle on a effectivement vu ce décalage, le décalage vers le rouge dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont des galaxies qui forcément étaient proches de nous, hein, c'est les plus proches pour lesquelles on arrive mieux à mesurer le spectre. Donc c'est Slipher qui a fait ça dans les années 1910. Et l'ordre de grandeur qu'on obtient, c'est des décalages vers le rouge, ici de l'ordre du millième, de quelques millièmes. Donc Z, il est de l'ordre de quelques millièmes. Donc on est effectivement dans les conditions où ce nombre-là est très proche de 1, et donc où V sur C est très petit, et on est effectivement dans ces conditions-là. Donc la loi historique qui a été proposée par Hubble, dans laquelle il utilisait effectivement le décalage vers le rouge pour en déduire des vitesses, il utilisait ça, Hubble, et il avait raison. V à peu près égal à CZ, c'est tout à fait valide pour des vitesses qui sont suffisamment faibles, et pour les décalages vers le rouge qui étaient observés à l'époque. Il faut quand même faire attention à quelque chose. Cette loi-là, c'est une limite pour des petites vitesses. Ça n'a pas de sens de l'utiliser, enfin c'est incorrect de l'utiliser pour des décalages vers le rouge trop grands. En particulier, il y a quelque chose qui des fois semble paradoxal. On observe des galaxies qui ont des décalages vers le rouge de 1 ou de 2, de 3. Voilà, des objets qui ont des décalages vers le rouge énormes, pour lesquels Z vaut 1, 2 ou 3. Ou voilà. Donc si on voit ça, on peut se dire, bah attention, V ici est égal à 2 fois C si Z est égal à 2. On a un objet qui se déplace à 2 fois la vitesse de la lumière. Ah, hérésie, c'est pas possible. La relativité nous dit que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Non, bah, l'hérésie ici, c'est de ne pas avoir appliqué ce qu'il faut. Ça, c'est pas valable quand Z est égal à 2. Quand les décalages vers le rouge sont grands, ce qu'il faut utiliser, c'est ça. Et la relation entre Z et V, elle est donnée par ça. Si j'ai un décalage vers le rouge de 2, ça veut dire que 1 plus z vaut 3. Donc il faudra que j'aille prendre ici la valeur 3 sur l'ordonnée, puis que j'aille voir à quelle vitesse ça correspond, et je vais la chercher ici. Et donc ça sera une vitesse plus petite que C1. Donc on peut avoir des décalages vers le rouge, mais ce n'est pas Importante. incompatible avec un effet Doppler avec un objet qui a une vitesse plus petite que la vitesse de la lumière. Je ne dis pas que c'est le cas en cosmologie, on va voir que ce n'est pas le cas. Le décalage vers le rouge en cosmologie n'est pas dû à un effet Doppler. Simplement, c'est pour expliquer le fait que même avec l'effet Doppler, on pourrait avoir des décalages vers le rouge qui sont arbitrairement grands, aussi grands qu'on veut. Il suffit que l'objet qu'on regarde soit à une vitesse suffisamment proche de la vitesse de la lumière. Bon. Je viens de mentionner Hubble, en particulier la loi de Hubble. Et alors, ce qu'effectivement a trouvé Hubble, et ce qui a été ensuite conforté par d'autres, c'est que pour des objets qui ne sont pas trop lointains, donc des objets pour lesquels le décalage vers le rouge et pas trop grand, pas trop proche de 1, on va dire. Ce qu'a observé Hubble, c'est que CZ, que lui interprétait comme la vitesse, du coup, et il a le droit si les objets sont assez proches, ça, c'était proportionnel à la distance qui nous sépare de la galaxie. En fait, lui, Hubble, il avait accès aux distances, hein, c'était justement pour ça qu'il est arrivé à avoir cette loi, à déduire cette loi. Donc, il avait des moyens d'estimer la distance des galaxies, et il trouvait qu'il y avait une relation de proportionnalité entre la vitesse déduite de la formule de l'effet Doppler et la distance. Et on appelle aujourd'hui cette constante de proportionnalité ici la constante de Hubble. Donc, la forme historique de la loi de ce dont je vais parler maintenant, c'est la loi de Hubble, V est égal à H0 fois D. J'insiste, c'est la version historique. Je montrerai tout à l'heure en quoi est-ce que ça a été revu et en quoi est-ce qu'aujourd'hui, la vision qu'on en a aujourd'hui est différente. En tout cas, ça, c'est la constante de Hubble. Elle s'exprime en kilomètres par seconde et par mégaparsec. Et ça, c'est tout simplement parce que c'est assez pratique, du coup, si on connaît cette distance en mégaparsec, de trouver cette vitesse en kilomètres par seconde. Voilà, c'est simplement la constante de proportionnalité quand on trace sur un diagramme V dans cette unité-là en fonction de D dans cette unité-là. Et la valeur actuelle, donc elle est connue à quelques pourcents près, c'est de l'ordre de 75 km par seconde par mégaparsec, avec une incertitude de l'ordre de 3 ou 4, on va dire. Si on voulait vraiment être précis, ça serait plutôt 73, mais ce n'est pas mon propos ici. Voilà, c'est juste, c'est en gros cette valeur-là a une valeur de quelques unités en plus ou en moins. Et ça, on l'écrit, donc c'est H0, on l'écrit comme ça, et on écrit souvent H0 sous cette forme-là. H0 égale à petit h fois 100 km par seconde par mégaparsec. Et donc ça veut dire que h vaudrait aujourd'hui à peu près 0,75. Et la raison, elle est en partie historique, c'est que longtemps, pendant une bonne partie de la fin du XXe siècle, les gens se sont. Il y a eu une sorte de polémique.
sur la valeur exacte de H0. Il y avait toute une école qui trouvait expérimentalement que H0 était de l'ordre de 50 km par seconde par mégaparsec, et une autre école qui trouvait que c'était plutôt 100 km par seconde par mégaparsec. 100 ou 50. Du coup, comme il y a beaucoup de résultats de cosmologie qui dépendent de la valeur de H, on écrivait ça sous cette forme-là et on mettait la méconnaissance qu'on avait de H0 simplement dans cette variable-là. On trouvait tout un tas de formules et à la fin, on mettait H égale 0,5 ou égale 1 suivant la valeur qu'on préférait. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mieux connu, mais on trouve quand même dans beaucoup d'ouvrages, de livres et même des articles de recherche cette grandeur H. Elle permet aussi de garder la trace dans les résultats, dans les formules, etc., la trace de H0. Où est H0? On remplace en fait souvent H0 numériquement par ça, et on se retrouve ici avec un nombre de l'ordre de 1 qui intervient dans tout un tas de formules. Ça, j'y reviendrai en détail quand je consacrerai un épisode sur la mesure de la constante de Hubble. Je vais faire une parenthèse sur cette expression-là. Si on ne connaît pas la cosmologie moderne, on se met à la place des cosmologistes à l'époque, des astronomes, c'en était, qui observaient cette relation-là. Mettons-nous à leur place et on se demande ben, comment est-ce qu'on interprète ça? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Première interprétation, qui est un petit peu bizarre, c'est on se dit bah V est proportionnel à la distance, donc ça veut dire que toutes les galaxies s'éloignent de nous, de moi, de la Terre, avec une vitesse qui est d'autant plus grande que les objets sont lointains. On a l'impression finalement que les galaxies nous fuient. Genre la Terre, elle sent pas bon et tout le monde essaye de partir, quoi. Donc ça donne quand même un rôle très privilégié à l'observateur. On a l'impression finalement d'être au centre d'un univers que toutes les galaxies essayent de fuir de façon d'autant plus efficace qu'elles sont loin de nous. Alors c'est évidemment pas ce qui se passe. Il y a une autre explication, une autre vision qu'on peut avoir de ça qui est un petit peu plus satisfaisante, pas complètement mais un petit peu, c'est la suivante. Imaginez que on ait un corps ici, une sorte de pétard, qui se met à exploser en émettant des fragments un peu partout, ces fragments ayant une vitesse qui est constante. Je fais une photo de cette explosion à un instant donné. Donc ça explose, paf, les fragments partent avec des vitesses qui sont plus ou moins grandes, je vais les dessiner ici. Lui, il a une petite vitesse, lui, il a une grande vitesse, vitesse moyenne, voilà. Je fais une photo des fragments. La distance qui sépare un fragment du centre, si la vitesse ne varie pas, la distance qui est ici, là, elle est donnée par R, est égal à la vitesse fois le temps. Donc la distance qui sépare ce fragment-là du centre est donnée par ça. Je vais l'appeler V1 ici, c'est sa vitesse à lui. La distance qui sépare maintenant ce fragment-là, qui est allé plus loin parce qu'il a une vitesse plus grande, c'est R2, du coup, est égal à V2 fois T. En fait, pour tous les fragments qui sont ici, au bout d'un temps T, ben, ils ont parcouru une vitesse qui est donnée par R est égal à V fois T. Ça, c'est simplement la définition de la vitesse. Hein. Plus le fragment va vite, plus il est allé loin au bout d'un temps T. Et du coup, on a une relation entre la vitesse des fragments et leur position. Cette relation est donnée par ça. V est égal à 1 sur T fois R. On a donc une relation qui est complètement similaire à celle-ci, dans laquelle le facteur de proportionnalité, ici, c'est l'inverse du temps qui nous sépare de cette explosion initiale. Ça, c'est ce qui justifie le terme, historiquement en tout cas, ça justifie en partie le terme de Big Bang. L'univers dans lequel on vit et dans lequel on a, dans une certaine limite, cette expression qui est valide, ça évoque un pétard. Big Bang, ça veut dire gros pétard. On est dans l'univers du gros pétard. Voilà, ben, ce terme-là, il vient de cette analogie-là, de cette explication-là. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est correcte. Hein. Je suis en train de dire que c'est une façon de voir les choses qui a conduit à ce nom Big Bang. On voit aussi ici, du coup, que ce facteur de proportionnalité là, dépend du temps, hein, dans ce modèle-là. Plus T augmente, plus le facteur de proportionnalité est petit. Et donc la constante de Hubble, ici, dans ce modèle-là, varierait en fonction du temps. Quelque chose qui est remarquable même dans cette vision naïve et fausse de l'univers, c'est que si on se met maintenant à la place de lui, on se met à la place d'un des fragments du pétard et on regarde les fragments autour de nous, et bien ce dont on va s'apercevoir, je ne vais pas faire le calcul en détail ici, mais je vous invite vraiment à faire l'analyse vous-même de votre côté, voir comment vous comprenez les choses. En fait, on peut montrer que pour lui, tous les fragments s'éloignent de lui avec une loi qui est la même que celle-là. Ce fragment-là voit autour de lui les fragments le fuir, en fait, avec la même
loi de type Hubble que celle-là. Donc le fait que toutes les galaxies fuient autour de nous, ça ne nous donne pas une place privilégiée contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, vous mettez à la place de n'importe quelle galaxie, dont une de celles qui semble nous s'éloigner de nous, vu depuis cette galaxie, c'est nous qui nous en éloignons, et toutes les autres aussi. En fait, depuis n'importe quel point qu'on se place, on voit l'ensemble des galaxies autour de nous qui s'éloignent en suivant la loi de Hubble. Alors ça, c'était pour une approche à la fois naïve et on va dire qui frôle un petit peu l'histoire des sciences. C'est pas complètement ça qui m'intéresse aujourd'hui et dans ce cours en tout cas. Donc maintenant, je vais en arriver à vraiment la façon dont on voit les choses de façon plus correcte. Pour ça, je vais revenir sur l'intervalle d'espace-temps qui est donné par C2 dt2 moins A carré de T fois dr2 plus sk de r au carré d oméga 2. Où là-dedans, il y a les variables angulaires, là c'est la variable radiale, ça c'est le temps, voilà. Je vais considérer la situation suivante. Je choisis l'origine du repère à l'endroit où on se trouve, nous, observateurs. Donc nous, on est à l'origine du référentiel. J'ai une galaxie qui est quelque part, qui émet de la lumière et que je vais, moi, recevoir. Si je dresse un système de coordonnées sphériques autour de moi, la lumière, le trajet de la lumière qui m'arrive de cette galaxie lointaine va se faire à variable angulaire θ et φ constantes en coordonnées sphériques. Et donc, pendant tout le trajet, ce terme-là sera nul. Il n'y a pas de variation de θ ni de φ. Donc les coordonnées angulaires sont les mêmes. Pour la lumière qui nous parvient de cet objet, donc une trajectoire radiale, on a simplement ça. Et ce qui va m'intéresser, c'est de la lumière. Je reçois de la lumière de cet objet. Et la lumière, elle est caractérisée par le fait que l'intervalle relativiste est nul. Donc pour de la lumière, on a la relation qui est ici, et donc on a que C dt est égal à A de t fois dr. Alors il faudra éventuellement faire attention à un signe moins ici, j'ai pris la racine carrée, il peut y avoir un signe moins si la coordonnée radiale diminue lorsque le rayon lumineux se propage, si j'y reviendrai dans la suite, si effectivement le cas se présente. Bon. En tout cas, pour un rayon lumineux qui nous vient d'une galaxie lointaine, voilà comment sont reliés le temps de trajet, ici l'intervalle de temps élémentaire, et la variation de coordonnées comobiles. Je vous rappelle que ça, c'est une coordonnée comobile. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais exprimer la coordonnée comobile radiale de cette galaxie qu'on observe de deux manières suivantes, avec une astuce. Je vais écrire cdt sur a de t, donc là j'ai juste passé le a de t de l'autre côté, je vais intégrer ça entre le moment d'émission et le moment de réception du rayon lumineux que je suis en train de considérer. Donc quand j'intègre ça entre l'émission et la réception, ça me donne le r d'émission moins le r de réception. Le r d'émission, c'est celui de la galaxie, r réception, c'est là où on se trouve nous, donc c'est 0, on est à l'origine du repère. Donc on a ici r de la galaxie est égal à intégrale de cdt sur a de t entre l'émission et la réception. Et alors le temps d'émission auquel je vais m'intéresser ici, je ne vais pas le choisir au hasard, je vais tracer ici l'amplitude émise par la source, la galaxie lointaine, au cours du temps, et je vais supposer qu'elle émet une onde monochromatique, juste pour le besoin de la démonstration ici. Donc voilà l'amplitude de l'onde lumineuse émise par la galaxie qu'on est en train d'observer. Et imaginons que je vais prendre comme TE, ce que j'appelle TE ici le temps d'émission, c'est ça, c'est le temps auquel est émis un des maximums ici. Donc le TE qui est là, c'est le temps d'émission de ce maximum-là. Ça va se propager jusqu'à la Terre, et moi je vais le recevoir sur Terre au temps TR. Donc le temps TR, c'est le temps de réception de ce maximum-là. Je vais ensuite écrire R, la distance comobile entre nous et cette galaxie, d'une manière un tout petit peu différente. C'est encore l'intégrale sur le chemin lumineux, mais cette fois-ci en prenant un autre point de départ. Je vais prendre comme point de départ celui-là. Et du coup, ça va être comme point de départ TE plus delta TE. Donc delta TE, ici, c'est le temps qui sépare ces maxima-là. Ça va être exactement la période de l'onde. Donc ici, cette fois-ci, j'intègre entre TE plus delta TE. Et du coup, comme ça a été émis plus tard, ça va être reçu plus tard aussi. Il faut que j'intègre en haut jusqu'à TR plus delta TR. Donc delta TR, c'est l'écart de temps qui sépare la réception de ce maximum-là et de ce maximum-là. Bon.
Dans les deux cas, le terme de gauche, c'est la distance comobile qui nous sépare de la galaxie. J'ai mentionné la dernière fois le fait que les galaxies, elles avaient une distance comobile qui était en gros constante. Donc ça, c'est la même chose que ça. Ce sont deux manières différentes de calculer, mais ces deux quantités-là sont égales. Du coup, les deux intégrales qui sont ici sont égales. On a donc, du coup, intégrale entre TE plus delta TE et TR plus delta TR de C dT sur A de T est égale à l'intégrale de TE ATR de la même chose, CDT sur A de T. Je vais séparer cette intégrale en trois. Là, l'intégrale entre TE et entre TE plus delta TE et TR plus delta TR, je peux l'écrire comme intégrale de TE ATR de CDT. Plus, il m'en manque un bout pour avoir la partie de l'intégrale entre TR et TR plus delta TR fois CDT. Et il en manque un bout, du coup il y en a un bout en trop, parce que là moi je voulais intégrer juste à partir de TE plus delta TE, et là j'intègre à partir de TE. Donc il faut aussi que j'ajoute l'intégrale de, il faut que je retranche l'intégrale de TE à TE plus delta TE. De la même chose, CDT sur A de T. Donc voilà, le terme de gauche, je l'ai simplement réécrit sous cette forme-là, et il doit être égal au terme de droite, qui est l'intégrale de TE à TR de CDT sur A de T. On voit que ce terme-là se simplifie avec celui-là, et donc on a nécessairement que les deux bouts qui sont ici sont égaux entre eux. Les deux termes qui restent ici, je vais les écrire de manière un tout petit peu différente. Bah déjà, lui, je vais le passer de l'autre côté, et ce faisant, je vais transformer les écritures. On a ici une intégrale entre TR et TR plus delta TR. Delta TR ici, c'est un temps qui est court, hein. C'est le temps qui sépare deux maxima. Pour une onde dans le domaine optique, ça va être quelque chose qui va être de l'ordre de 10 moins 14 secondes, hein. Alors que le temps de parcours, il peut être de plusieurs milliers, millions d'années. Donc c'est le delta TR et le delta TE qui apparaissent ici et là sont vraiment des quantités qui sont extrêmement petites. Donc du coup, l'intégrale qui est ici, c'est quasiment égal, ça, à C fois delta TE, C fois delta TR sur A de TR. Et ça, c'est égal à, celui-là, je le mets de l'autre côté, je fais la même chose. C'est aussi une intégrale sur un intervalle qui est extrêmement petit. Donc on trouve C delta TE sur A de TE. Du coup, ça nous dit que delta TR sur delta TE est égal à, les C se simplifient, ça fait A de TR sur A de TE. Or, la manière dont j'ai choisi delta TE, hein, c'était la période ici d'émission, la période vue depuis la galaxie qui émet. Et de la même façon, le delta TR, c'est le temps qui sépare la réception de deux maxima successifs, c'est ce qu'on appelle la période. Du coup, ça, c'est la période mesurée par l'observateur qui reçoit. Ça, c'était la période mesurée par l'observateur qui émet. Donc, ça, c'est le rapport des périodes T reçues sur T émise, qui est donné par A de TR sur A de TE. Vous vous souvenez que quand on a une onde lumineuse, une onde en général, la période est proportionnelle à la longueur d'onde. Donc ça, c'est aussi le rapport des longueurs d'onde, lambda reçue divisé par lambda émise. On peut aussi exprimer ça en fonction de la fréquence. Vous vous rappelez que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc ça, c'est aussi égal à nu E sur nu R. Et je vous rappelle que ça, c'est ce qu'on avait noté, 1 plus Z. On avait défini le décalage vers le rouge, le décalage spectral Z, par cette égalité-là exactement. Donc là, vous avez au tableau un ensemble de relations qui est extrêmement important. Ça vous dit que quand effectivement on envoie de la lumière se propage dans un univers qui est en train de s'expandre, dont le facteur A de T est en train de changer au cours du temps. Et bien ça change, ça modifie la fréquence reçue, la longueur d'onde et la période. On peut noter quelque chose de vraiment très remarquable ici, c'est la partie centrale de cette égalité-là, c'est cette partie-là. Ça nous dit que la longueur d'onde, elle est finalement proportionnelle au facteur d'échelle A, ici. Si le facteur d'échelle est multiplié par 2, la longueur d'onde est multipliée par 2. Le facteur d'échelle est multiplié par 10, la longueur d'onde est multipliée par 10.
Donc en fait, on peut avoir une image vraiment très, très, très nette de ce qui se passe. Tout se passe comme si, pendant que l'univers s'expand, la longueur d'onde, elle, suit l'expansion de l'univers. La distance qui sépare deux maxima de l'onde semble s'étaler en même temps que l'univers s'expand. L'onde semble s'expandre en même temps que l'univers. Ça, c'est une image qui est vraiment importante à garder. Elle ne sera pas mise en défaut. Donc voilà, l'étalement des longueurs d'onde, il suit l'expansion de l'univers. Du coup, ça nous montre aussi autre chose. C'est que le décalage vers le rouge qui est ici, là, n'a absolument rien à voir avec un effet Doppler. Pour ça, pour vous en convaincre, je vais considérer une situation qui n'est pas celle de notre univers à nous, mais qu'on a le droit d'imaginer quand même. Imaginez que je sois dans un univers dont l'histoire de l'expansion soit la suivante. Je vais représenter ici A de t, le facteur d'échelle en fonction du temps. Dans la situation suivante, imagine que A de t soit constant pendant un certain temps, puis on ne sait pas pourquoi il se met à gonfler, l'univers à s'expandre, puis A de t redevient constant, comme ça. On a deux plateaux séparés par une période où le facteur d'échelle augmente. Si on observe de la lumière qui vient d'une galaxie qui est ici, donc ça c'est le temps d'émission, et que moi je reçois cette onde à ce moment-là, le facteur d'échelle ici a effectivement changé. A de tr ici n'est pas égal à A de ta. Donc la longueur d'onde va avoir changé, donc on aura effectivement un décalage vers le rouge, mais vous voyez qu'au moment de l'émission, et longtemps avant, longtemps après, la galaxie n'avait pas de vitesse particulière, elle était comobile, l'univers ne s'expandait pas, donc voilà, elle était là, elle a sa position, elle n'a pas de vitesse par rapport à nous. L'univers s'expand, donc éventuellement la galaxie semble s'éloigner, mais après elle s'arrête, et quand on reçoit l'onde, la galaxie est encore immobile. Donc, ni au moment de l'émission, ni au moment de la réception, cette galaxie n'a de vitesse par rapport à nous. Donc, il n'y a pas de moyen d'interpréter le Z qui est ici comme l'effet Doppler de quelque chose. Il n'y a pas de mouvement relatif. Donc, j'insiste, hein, ce décalage vers le rouge, ce n'est pas un effet Doppler. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation entre ça et l'effet Doppler. Je vais mettre un petit bémol à ce que je viens de dire. Si les objets qu'on regarde sont suffisamment proches, t d'émission, c'est donné par tr moins delta t, où delta t, c'est l'écart temporel entre l'émission et la réception, et ça, c'est une quantité qui va être petite. Je peux alors écrire que A de te, c'est à peu près égal à A de. D'abord, c'est égal à A de tr moins delta t, et je peux faire éventuellement un développement limité si le temps qui est ici est suffisamment court. On va voir suffisamment court par rapport à quoi? Tout de suite après. Mais si en tout cas il est assez petit, je peux écrire que ça c'est à peu près égal à A de tr moins delta t fois la dérivée de A, que je vais noter A point, prise en tr. Donc voilà, développement limité au premier ordre de A nous donne cette expression-là. Et alors je divise tout par A de tr et j'obtiens ici bah, du coup 1. Moins 1 sur A de TR. Voilà. Le terme de gauche ici, A de TE sur A de TR, c'est 1 sur 1 plus N, par définition. Et on se retrouve ici avec, donc encore une fois, si cette quantité-là est petite, ça veut dire que tout ça c'est proche de 1. Si ça c'est proche de 1, Z est petit. Donc ça c'est à peu près 1 moins Z. Donc on a ici 1 moins Z qui est à peu près égal à 1 moins delta T A point sur A pris aujourd'hui en TR. Et du coup, on voit que z est égal à delta t fois a point sur a. Et si je multiplie tout ça par c, c z, c'est c delta t a point sur a pris en tr. Le terme qui est ici, ça ressemble à une distance, c delta t si la lumière se propage à la vitesse c et qu'il y a eu un écart delta. De temps delta t entre l'émission et la réception, c delta t, c'est en gros la distance qui nous sépare de l'objet. En tout cas, je peux définir une distance c fois delta t qui est représentative de l'éloignement de l'objet. Donc ça, je peux l'appeler d. Cz pour les objets proches, c'est la vitesse que doivent avoir ces objets pour donner le décalage vers le rouge z par effet Doppler. Et donc on se retrouve avec v proportionnel à d, où la constante de proportionnalité, c'est a point sur a. Donc on a V qui est égal à A point sur A pris aujourd'hui,
fois d. Et donc on retrouve la loi de Hubble que j'avais écrite au début, celle qui est historique là, avec H0, la constante de Hubble, qui est donnée par A point sur A, la valeur actuelle de A point sur A. Donc si on prend des objets suffisamment proches, effectivement, cette relation-là donne quelque chose qui a la même forme que la loi de Hubble historique. Une manière d'interpréter ça de manière peut-être un petit peu plus physique, c'est de se dire, bah, dans l'environnement local qui nous entoure, j'ai des galaxies qui sont comobiles, donc qui sont en train de s'éloigner de moi à une vitesse qui est d'autant plus grande qu'elles sont loin. Si dans mon environnement à moi, j'ignore le fait que l'univers est en expansion et j'attribue ce décalage vers le rouge à une vitesse, je sais pas moi que l'univers est en expansion et j'ai l'impression qu'elle s'éloigne de moi, et bah, du coup, effectivement, je vais traduire ce décalage vers le rouge là comme un effet Doppler. Je me trompe, hein, mais je vais le faire. Et du coup, la relation entre V et D va faire intervenir la constante de Hubble ici et la dérivée A point sur A. Alors la manière dont je le dis là, c'est peut-être pas super clair. Je vais essayer de le dire d'une autre façon. La distance physique entre deux points qui sont séparés d'une distance comobile R, distance physique, distance comobile, c'est donné par ça, dans un univers en expansion. Si les objets sont comobiles, donc ont des coordonnées comobiles qui ne changent pas au cours du temps, ça c'est fixe. Le facteur d'échelle augmente, donc la distance physique varie au cours du temps. Si je dérive ça par rapport au temps, dl sur dt, ça fait a point de t fois r, et r, c'est l sur a. Et du coup, je peux avoir envie d'interpréter ça comme la vitesse. Effectivement, ça a la dimension d'une vitesse. Si j'appelle vitesse la variation temporelle de la distance qui me sépare de l'objet, donc ça, eh ben, j'obtiens effectivement que cette vitesse est reliée à l'écart L par A point sur A pris au temps T. Et c'est ça du coup qu'on va appeler la constante de Hubble. Donc le raisonnement que je viens de faire ici, là, il pêche à plusieurs endroits. Hein. J'ai écrit ici que V est égal à CZ, donc ça c'est pas quelque chose qui est exact. J'ai interprété le décalage vers le rouge comme dû à un effet Doppler, ça c'est pas vrai non plus. Et j'ai écrit ici que ça c'était une distance d, C fois delta t, mais ça c'est aussi un pas, il faudrait se poser un peu plus précisément la question de ce que c'est que cet écart de temps et ce que c'est que cette distance. Bon. La loi vraiment qui relie le décalage vers le rouge à l'expansion de l'univers, c'est vraiment celle-là. Et quand on voudra effectivement dire des choses sur l'univers dans lequel on vit, c'est ça qu'il faudra considérer. Pas ça. Pas ça non plus. Je viens de mentionner le fait que la notion de distance n'était pas forcément très claire. Là, j'ai écrit que c'était un C delta t tout à l'heure. On a vu dans un des premiers cours qu'on pouvait définir une distance à partir des luminosités, à partir des distances, des tailles angulaires apparentes. Bon. Il peut y avoir une certaine ambiguïté dans la relation de Hubble telle qu'on l'écrit d'habitude sur ce que c'est que la distance à l'objet qu'on regarde. Il se trouve que cette distance-là, on s'en fiche un peu en fait. Si on revient sur ce qu'on a fait précédemment, je vous ai dit plus tôt dans le cours qu'en gros, à partir des luminosités apparentes de chandelles standard, on pouvait obtenir la distance. Et puis ce que montre Hubble, c'est que les distances sont corrélées au décalage vers le rouge, Z. En fait, ce qu'on va faire, et ça on le fera dans un cours un peu plus tard, c'est directement s'intéresser à la relation entre ça et ça, sans passer par la distance, qui est un truc de toute façon un peu ambigu. Et ce qu'on va faire en cosmologie, c'est effectivement déterminer la relation entre redshift et luminosité, entre redshift et taille angulaire, voilà. Et ce sont ces relations-là qui vont nous permettre de dire des choses sur l'univers dans lequel on vit, sans passer par les distances.